téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bienvenue à votre émission exclusive ici à Brazzaville. Nous allons parler avec le révérend pasteur Paul Lembo, pasteur associé de l'église Barouti Tabernacle. Kinshasa est venu valablement représenter l'homme de Dieu, le pasteur Barouti Kassongo, à la conférence des ministres ici à Brazzaville. Pasteur Paul Lembo, que le Seigneur Dieu bénisse. Bonjour. Bonjour mon fils Vitale. Pasteur Paul Lembo, nous allons d'abord savoir votre séjour ici à Brazzaville. Depuis le dimanche que vous êtes arrivé ici à Brazzaville avec toute une équipe, dites-nous un peu les buts de votre visite ici à Brazzaville et de vous. Ok, je suis très content pour cette question. Nous sommes venus à Brazzaville animer une conférence autour de l'unité, l'amour, parmi le serviteur de Dieu, et ôter aussi quelques-uns d'ombre qui existaient pendant le chef plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà notre raison d'être ici. Et comme tu as dit, nous sommes venus depuis le dimanche. C'était très bien passé, on nous a reçu très bien. Et nous disons à Dieu merci pour cette mission. Il y a eu des échos de gauche à droite. Nous allons essayer d'en parler dans peu de minutes dans cette émission exclusive avec vous. Le premier jour, le lundi 25 septembre 2023, ici à Brazzaville, l'atmosphère est dans la salle, la grande salle de la préfecture. Vous, avec le ministre qui était présent dans la salle, comment vous avez à constater l'atmosphère, la communion avec le ministre qui était présent dans la salle? Bon, ça a toujours été ainsi. Tout au début, se poser des questions, qu'est-ce que ça va se passer, qu'est-ce que le pasteur Paul va nous dire. Mais dès qu'on a décollé, l'atmosphère était bonne, la joie était dans la salle, et tout le monde posait ses questions, nous avons exposé, et tout le monde s'était retrouvé. À moins qu'il ne soit pas un aigle, mais tous les aigles qui étaient venus là se sont vraiment retrouvés. L'atmosphère était bonne. L'atmosphère était bonne, si on peut savoir les temps forts de la première journée. Parce que nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu en train de poser des questions. Il y avait ceux-là qui posaient des questions, il y a ceux-là qui contestaient sur place. Qu'est-ce que vous avez constaté comme temps fort? Le temps fort, c'est quand nous avons exposé sur l'unité, sur l'amour, nous avons vu vraiment le ministre réagir, nous confirmer réellement qu'il n'y a pas d'unité parmi nous ici à Brazzaville. Il y a des groupes. Et chacun agit, chacun, ils sont en train de se tutoyer, de se visiter selon le groupe. Moi j'ai dit, mais non, au ciel il n'y a pas de groupe, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Écran. Nous devons marcher dans l'unité. Et cette unité-là ne peut pas être liée dans des groupes, tout ça. Oui. Et le prophète Yam Pranam, qui est la bouche autorisée, nous avons lu une citation qui nous a dit, nous devons briser tout cela et revenir à l'unité. Et j'ai vu le prédicateur, tous étaient dans la joie. Ils ont dit vraiment, nous voulons que de pareils moments puissent être. Donc, je veux revenir chaque fois, parce que ça a créé vraiment l'unité, ça a créé l'amour, même ceux qui ne se saluaient pas. Ils se sont salués, ils se sont retrouvés, ils ont échangé les numéros de contact. Voilà vraiment ce qui était le temps fort de ce jour, de cette journée-là. Parce qu'il fallait placer l'amour. Comment tu peux aller prêcher le message sans l'amour? Comme le prophète dit, si tu sais que tu as quelque chose à arranger avec ton frère, mets tout ça de côté, allez d'abord arranger cela. Et c'était vraiment très bien. Nous disons, nous félicitons le ministère et le pasteur de Brazzaville, tous ceux qui ont été dans la réunion, ont manifesté cet amour et nous disons, dis amen. Parlant toujours de la première journée, tout au long de la réunion, nous avons vu deux chaises vides au début. Et après, vous avez dit encore s'il y a des anciens parmi les ministres qui étaient dans la salle. Mais apparemment, il y avait plus des anciens dans la salle. Oh, il y avait des anciens. Même parmi les bébés, il y a toujours un ancien. Le bébé le plus âgé. Les deux chaises-là étaient occupées par aussi les anciens. Hein, les anciens qui étaient donc par rapport à la génération, aux gens qui étaient dans l'église, c'est la salle qui avait désigné que tel est ancien, il aille s'asseoir, tel est ancien. Nous, en venant de Kinshasa,
ne peux pas dire que cette salle-là est réservée à tel ancien. C'est la salle qui doit nous montrer qui est ancien dans la salle pour être honoré. Et nous avons eu des anciens qui étaient là. Donc c'est choisi par la salle. On ne devient pas ancien. On est ancien. Et la salle a reconnu que tel est ancien. Il peut aller s'asseoir. Tel est ancien. Et nous avons comblé et puis on a échangé. Le deuxième jour, c'était le mardi, le tout dernier jour de la conférence. Et la réaction, nous avons vu encore la réaction de plusieurs ministres de Dieu, le pasteur, c'est tout, du point où vous avez évoqué sur la relève. Je ne sais pas, un petit commentaire d'abord sur ce point-là, parce que c'était l'état fort. Ok. C'est une question qui est venue, pas venue de la masse. C'est pourquoi nous avons dit, il peut y avoir quelques hommes dans. C'est un des pasteurs qui nous a posé la question. On dit que le pasteur Baroudi est le 8e messager, il a fait ceci, il a pris la place de Branham et tout ça. Hein? Donc, et moi j'ai dit, bon, ok, nous allons en parler. J'ai fait sortir les citations du prophète Branham. Vous savez, dans le message, devant un serviteur d'ailleurs appelé du Saint-Esprit, en face d'une citation du prophète Branham, il ne peut pas contredire. Et j'avais lu plus ou moins 10 citations autour de la relève, montrant que Branham appréciait la relève. Et il a dit, ce n'est pas l'esprit, ce ne sont pas les bandes, c'est quelqu'un qui viendra pour continuer avec son message. Il dit, cet homme-là n'est pas un 8e messager, cet homme-là n'a pas un message, et cet homme-là continue fidèlement avec son message pour réactionner encore la foi des enfants de Dieu. Et nous avons lu des citations. Là même le prophète est en train de gérer, ici je suis serviteur de Dieu, cela doit y arriver. Hein? Ça doit passer de moi à quelqu'un d'autre. Nous avons lu des citations, le prophète dit, Dieu quand il retire un homme, il ne retire jamais son esprit. Il a quelqu'un d'autre là, il placera son esprit. Donc eux, les enfants de leur, le serviteur de Dieu étaient dans la joie. Et nous avons posé la question, est-ce que vous croyez à la relève? Ils ne peuvent pas s'opposer. Parce que ce sont des citations, c'est Branham qui parle. C'est la bouche autorisée. Ce n'est pas le pasteur Paul, ce n'est ni le pasteur Baruti, mais c'est Branham qui parle. Alors, quand ils ont vu toutes ces citations-là, ils ont dit, oui, nous croyons à la relève. Et moi, j'ai dit, bon, moi, quand je vois toutes ces citations, l'homme qui prend la relève, c'est le révérend Baruti Kasson. Et la salle a dit, oui, parce qu'il y a des signes, il y a des caractéristiques, donc ils doivent accompagner cet homme. Donc, nous avons dit, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre la relève et la succession. La succession est juridique et la relève est spirituelle. Et vraiment toute la salle était dans l'ébullition. Tous vraiment, d'un commun accord, nous avons dit que c'est le révérend Baruti qui prend la relève. Surtout certifié avec la lettre du Jovra Branham, qui a écrit, il a dit, ce message n'aura pas d'impact en Afrique ou au Congo, si tu n'as pas choisi à sacrifier ta vie par le pasteur Baruti. Et l'impact que cela a eu, ce n'est pas simplement au Congo, c'est à travers le monde. Et j'ai posé la question, montre-moi une église au monde qui n'a pas une brebis venant de Baruti. Ou s'il n'y a pas de brebis, c'est que toi le pasteur, tu es une brebis de Baruti. C'est ça la relève, c'est la continuité. C'est la continuité. Et tel que celui de Pierre qui est allé à Yéhimbo, à Kata, dans les forêts Fonfay, et qui a des églises partout, qui a visité, qui a prêché dans le monde entier. Il a des églises, même en Australie, même en Chine, même partout. C'est ça la relève, c'est la continuité. Et nous sommes sûrs qu'un nouveau départ commence maintenant ici. Et nous remercions Dieu pour ça. En parlant de la relève, il y a ceux-là qui ont reçu même la bouchée. Mais il continue toujours à douter, pasteur Fonnel. C'est la question qui fâche aujourd'hui en présent. La relève là, c'est Baruti, la relève là, c'est Branham, c'est le Saint-Esprit. Malgré qu'ils ont reçu la bouchée, certaines personnes continuent à garder leur tendance. Quel est le message que vous allez lancer à ceux-là qui vous suivent? Il est question de révélation. Jésus-Christ était sur la terre, tout le monde n'a pas reconnu les effets. Hein? Tout le monde n'a pas reconnu. Il y a d'autres qui étaient en face de lui, qui ont échangé avec lui, mais qui ne l'ont pas reconnu. Donc il est question de relation. Donc ce n'est pas tout le monde
doivent recevoir cette révélation. C'est une grâce venant de Dieu. Mais la chose qu'ils sont en train d'insister, quand vous voyez la vérité, parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous enfranchira. Mais quand vous voulez résister en faute de la vérité, le William Branham dit quelque chose, vous voyez c'est là noir et blanc, vous voulez être donc cartonné sur votre position qui n'est même pas spirituelle, c'est un danger, c'est un grand risque que vous courez. C'est un grand risque que vous courez. Vous courez vraiment un grand risque. Donc, il résiste à la citation ou il résiste à la personne de Baruch. Donc d'abord, il faut croire la citation. Il faut commencer d'abord à croire à la citation. Que la relève existe. Alors que tu sauras prendre ce que Branham a dit et qualifier. Donc, voir les gens, vous voyez, c'est assez. Parce que la relève, ce n'est pas une prédication. C'est pas aussi une doute. C'est un travail. J'avais donné l'exemple. Donc, je prends la relève de mon papa qui était menuisier. Je ne sais même pas comment on tient le rapport. Je ne sais même pas comment faire l'assemblage à mi-bois. Tu ne connais rien. Et tu dis, donc tu es là. Tu regardes des rabots que papa a laissé, des forêts, et tout ça. Tu regardes ça. Et le matin, tu insultes là. Et après, tu dis, tu fais la relève. Ça n'existe pas. La relève, c'est un travail. Ce n'est pas une prédication. Donc, résister ou persister ou cantonner dans votre fausse doctrine là, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tout ce que vous écoutez, un jour vous qui va, la relève c'est la parole de Dieu. Donc voilà un peu, je demande aux bien-aimés qui ont reçu la parole, qui ont reçu le message, de se rallier à la position de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que quand vous vous opposez à la parole, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'oppose à la parole depuis un. Non, on s'oppose jamais à la parole de Dieu. Il y avait également une petite question dans la salle, si je me souviens très bien. Tous ceux-là qui ne sont pas avec le pasteur Baruch aujourd'hui, tous ceux-là qui ne croient pas comme le pasteur Baruch, par exemple sur le point de la relève, donc ils sont en dehors de la volonté, ils sont en dehors du message. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclaircir un peu là-dessus. Bon, moi je vais vous dire ceci. La relève, c'est la parole de Dieu. Le pasteur Baruch n'a pas sa parole à lui. Si tu as cru au message, tu dois croire la totalité des messages. La totalité. Ouais. Et leur sort, nous ne savons même pas. C'est Dieu seul, là, c'est le domaine réservé à Dieu. Ok? Je ne vous dirai pas qu'il n'ira pas au ciel. Je ne vous dirai pas qu'il ne fera pas ceci. Mais je sais qu'en tant que chrétien, nous devons croire à toute la parole de Dieu. Voilà le pasteur Paul Ndembo. Nous allons clôturer les points des grandes journées de conférence à Brazzaville. Et votre les résultats des grandes journées. Vous avez vu cela comme la réussite ou bien c'était un échec si on peut dire ça. De réunir les serviteurs de Dieu, vous avez obtenu l'objectif, la réussite ou bien c'était un échec. C'est une mission qui a réussi. Le Dieu de Baruch qui a avec nous. Même lui-même, le reverend Baruch a parlé, là où j'avais été. Le deuxième jour, le pasteur Baruch a parlé et il a eu un feedback. Il a senti comment les enfants criaient dans la salle, répondaient dans la salle. Et il a prié pour le ministre de Brazzaville qui était sur place. Moi, je crois que nous aurons un résultat, le résultat de témoignage après. Donc, c'est une mission qui a réussi. Et nous pouvons dire que Dieu merci, parce qu'on a eu un résultat escompté. Merci beaucoup, parce que si on peut dire les 10 jours ici à Brazzaville pour la conférence des ministres, c'est une réussite totale parce que nous avons vu d'abord la participation de plusieurs prédicateurs. Ils étaient également très contents quand ils ont entendu la voix de leur évêque, le pasteur Baruch Kassoum, en train de prier, parler en direct au téléphone de tous les États-Unis. Et nous étions là, nous avons vu l'ambiance qui était dans la salle. Et nous jetons également des fleurs à l'homme de Dieu, le pasteur Baruch Kassoum, de tous les États-Unis, pour le travail et la confiance qu'il a placé à l'homme de Dieu, le pasteur Paul Ndembo, qui était venu valablement représenter l'homme de Dieu ici à Brazzaville. Il a réuni vraiment une réussite totale. Parlons maintenant de la voie de l'aigle, parce que c'était le tout dernier jour. Vous avez visité également la voie de l'aigle qui semble aujourd'hui négligée, si je peux dire comme ça, ici par les prédicateurs ou les églises de Brazzaville. Quel est le nom-dit de votre rencontre à la réunion
organisé à la Voix de l'Aigle avec le directeur de la Voix de l'Aigle, Jean Fischer, et les serviteurs de Dieu qui étaient présents à la Voix de l'Aigle de communication ici à Casablanca. Et nous, d'abord, premièrement, dans la salle de conférence, nous avons expliqué ce qu'est la Voix de l'Aigle. Qu'est-ce que la Voix de l'Aigle fait? Quel est l'apport de la Voix de l'Aigle dans ce message? Et les serviteurs de Dieu étaient épatés. Et ils ont compris qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur la traduction ou la production de brochures parce que le message est entré dans le domaine public. Et dès que le serviteur de Dieu a appris cela, tu as vu comment ils ont pris les enveloppes pour soutenir. C'est qu'il y avait des zones d'ombre, les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant, ils ont compris ce qu'est la Voix de l'Aigle. Dès aujourd'hui, un nouveau départ doit commencer. Parce que la chose qui est là, c'est parce qu'ils ont compris ce qu'est la Voix de l'Aigle. Et pourquoi la Voix de l'Aigle? Et c'est ça l'unique objectif qu'on avait en rapport avec ça. Et à la Voix de l'Aigle, hier, je n'avais reçu que quelques pasteurs qui avaient des problèmes, tels qu'ils avaient demandé pour les réconciliations arrangées depuis hier. Et c'était ça notre rendez-vous de hier. Donc nous disons à Dieu merci. Tout est allé très bien. Pour fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons encore infiniment merci. Nous sommes avec le pasteur Paul Lembo. Si pour citer rapidement, pasteur Paul Lembo, en résumé, qu'est-ce que les gens vont retenir, nos téléspectateurs, nos fidèles internautes vont retenir de votre passage ici à Brazzaville? Notre passage ici à Brazzaville était pour simplement, que dirais-je, actionner ou motiver encore l'unité autour des serviteurs de Dieu, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait donc la communion, parce que nous servons Dieu, nous avons le même objectif, et nous avons le même motif, donc l'unique motif d'amener beaucoup d'âmes en Christ. Il n'est pas question, donc ce n'est plus le temps des résidents de division, dans des compréhensions, nous devons être unis autour de ce message. Ce qui nous unit est très plus fort, c'est le message du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'est plus dans les temps de conflit. Voilà. Mais la réunion a été une réussite totale. Les serviteurs de Dieu ont répondu favorablement et tout était très bien passé. Il y avait des anciens qui n'étaient pas venus. Oui. Et nous sommes allés consulter aussi les quelques anciens qui n'étaient pas venus. Ils avaient aussi des zones d'ombre, ils ne comprenaient pas pourquoi nous étions venus. C'est qu'il n'y avait pas une très bonne communication entre nous et tout était très bien passé. Et on s'est, il y a eu des promesses où nous allons revenir, on va échanger avec les anciens et les choses vont, donc que dirais-je, maintenant tout aille très bien. Rapidement. On s'est très bien, je te reçu par les anciens, ils ont prié, ils ont présenté leurs regrets. Pourquoi ils n'étaient pas associés, je leur ai montré que non, la chose n'a pas commencé ici. Vous avez reçu les invitations, ça a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas un passé de Brazzaville qui avait organisé cela. C'est Baruch Kassongo qui a voulu que nous puissions vraiment venir parler sur ça. Et on ne vous a pas mis de côté, il y avait même des choses pour vous. Mais sauf qu'il n'y avait pas une très bonne communication. Mais tout était réglé. On s'est embrassé, on s'est esquissé, là il y a eu... un peu de désagrément et tout est revenu anormal et très normal. Et nous disons à Dieu merci. Nous reconnaissons qu'il y a des anciens dans cette ville, nous reconnaissons qu'ils ont fait un grand travail et nous continuons à travailler ensemble avec eux. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, chers internautes. C'est votre émission exclusive. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec le révérend pasteur Paul Lembo qui est devenu valablement représenter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Baruch Kassongo ici à Brazzaville, à la conférence des ministres qui était passée à la préfecture, à la grande salle de la préfecture. Merci beaucoup pasteur Paul Lembo de nous avoir honorés. Merci également à toute l'équipe qui m'accompagne.
Merci à Stanley. D'abord, au Tout-Puissant, moi j'ai l'habitude de l'appeler le patron de ma vie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a commencé avec nous, il a fini également avec nous. Merci également au couple pastoral, le pasteur Baruti Kasongo et maman Alphosine depuis les États-Unis. Bon séjour encore et bon repos. Également, tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Restez branchés sur votre chaîne. Ici, nous prenons sur l'Union. Dans la famille, dans la société, dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve très prochainement, pasteur Paul Nembo. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi que Dieu a confirmé notre réunion par la colonne de feu. Voilà. Donc, c'est une confirmation surnaturelle que le Seigneur Jésus-Christ était au rendez-vous. Que Dieu bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, pasteur.